مين؟ في كده الموبايل ما يجيش له. من بعد كده على إيه؟ كمان جالس رويا. ويا كا نماي. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu a donné de vous depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et nous remercions des éléments pour cette protection. Et nous résolvons aussi. Et à la fête de l'année, bénir dans la maison de Dieu. Walsaka. Pour rester au pied de Dieu, le prier et recevoir les bénédictions de sa part, ça c'est une très bonne chose. Ce soir, certains ont décidé d'être ailleurs. Mais donc, je vais décider d'être à la maison du Seigneur. Tu vas pas regretter. Le Dieu qui nous a créés, c'est bien que nous soyons en sa présence, l'adorer, le prier. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Prions ensemble. Aujourd'hui, la prière est là. Aujourd'hui, la prière est là. Et c'est nous de venir à la plage, venir à Sania, à Kaïte Messera, ni Kapara, ni Menaï, à Noroni, Ponya, Veda, Jésus Christ, à Kalepeto, à l'étoile, à Koranda, à l'étoile, à Boya. Amen. 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 On a dit que la pomme vraiment Dieu est bon. Beaucoup de personnes auront voulu vivre ce jour-ci, mais ils n'ont pas vécu. Beaucoup aussi auront voulu vivre pour ce jour-ci, mais ils n'ont pas pu vivre. Si tu vois que toi et moi nous sommes encore vivants, c'est que Dieu a un projet de concernant et me concernant. Dieu a un plan sur ta vie. Tu n'es pas ici pour voilà, au hasard. C'est pas comme si Dieu ne te voit pas. Au lieu que tu es rejeté par terre. Allah va faire une allée gagnante pour que voilà ça. Voilà, on peut faire dans la gagnante. Dieu veut que tu le rencontres, il a besoin de quelque chose dans ta vie. Et c'est aussi une raison de remercier, de rendre grâce. Dieu reste avec nous, il nous a gardés. Bien. Donc ce soir, avant de rentrer dans le nouvel an, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps et prier vraiment. Parce que nous sommes toujours dans l'ancienne année. L'ancienne année avec ses paroles et ses manières de prier. Et le nouvel an aussi a ses paroles et aussi ses manières de prier. Nous n'allons pas mélanger les choses. Nous n'allons pas sauter non plus. Ça ne va plus durer. Nous allons voir les chiffres changer. 2022. Et on va rentrer dans l'année à changer. Nous allons sortir de l'ancienne année et rentrer dans le nouvel an. Nous allons sortir de l'ancienne année et rentrer dans le nouvel an.
Quand nous sortons de l'ancienne année pour rentrer dans le nouvel, c'est bien d'avoir des choses anciennes, on doit les jeter et les laisser derrière. Alléluia. Alléluia. Ne permet pas de rentrer dans le nouvel an avec ces choses-là qui ont été des raisons de destruction de beaucoup de problèmes dans ta vie de cette année. Et la Bible dit que ceux qui sont Jésus-Christ ont crucifié de la chair le corps avec ses convoitises. La parole de Dieu continue à nous conseiller, à nous reprimander, à nous exhorter sur beaucoup de choses particulièrement concernant cette église. Amen. Nous allons voir quelques points. Peut-être à peine à quelques juillet, mais pas sur le midi et juillet, pas sur les crèches, mon robe dans l'eau, la donne. Ça ne va pas être tout ça, tes plaies, tes blessures, mais celui-là qui n'est pas ta blessure, la personne à côté de toi doit en savoir un peu. Allez, pourquoi venir chez l'église de moi en général? Cette parole est adressée à l'église et bébé. On l'a amené à faire la mandat, on l'a amené à délire, on l'a fait un gengé, Christ a gengé, je l'ai là, on l'a amené à la. Nous allons voir quelques points et sur ces choses-là, on va prier et les crucifier sur la croix. Amina. Amen. Amina. Amen. C'est très bien qu'à vous, bonne année 2023, la casse en héré, à la maman sans héré, c'est très Mama. Bien de se souhaiter mutuellement bonne et heureuse année. Dieu n'a pas refusé cela. Mais si nous nous comprenons avec Dieu, et si nous marchons dans les mêmes chemins, et tout va réussir. C'est pas là qu'à 2023 avec les hérés. Vraiment, sincèrement, ton année 2023 serait une année de paix. Est-ce que tu as froid? Aujourd'hui, nous allons voir quelques points. Et nous allons prier sur cela. Une de ces choses, voici. Manque de considération du problème d'autrui. Comment on traduit ça en bambara? Ces choses-là concernent vraiment l'Église. Dans cette année, combien de nous avons vécu de cette manière? Nous avons entendu parler des problèmes de nos frères en Christ, mais on l'a jeté derrière. Il y a certains même qui ont fait de la moquerie le problème de ses frères. Voici. La manière dont Dieu veut marcher avec nous, si nous ne commençons pas à nous intéresser aux autres et se détourner de soi-même, ça va être très difficile. Tout le monde se voit soi-même, mais ne voit pas son prochain. Marie est partie rendre visite à Elisabeth. Elle a vécu là-bas 3 mois quand elle a su qu'Elisabeth attendait un fils. Elisabeth m'a dit que Marie n'a pas de Elisabeth n'a pas appelé Marie en lui demandant de venir l'aider pour ses problèmes. Marie s'est levée toute seule. Elle sait que c'est son prochain, elle doit l'aider. Pour la vie ainsi, dès que nous avons entendu de vos nouvelles, nous n'avons pas arrêté de prier. L'aide, ce n'est pas seulement financière. Même prier pour ton prochain, c'est aussi l'aider.
Combien parmi nous, dans cette année, nous avons entendu des problèmes de nos proches. Et nous avons entendu leur maladie. Nous avons entendu leur manque. Nous avons entendu leur échec. Nous n'avons pas prié. Nous ne sommes pas nous ne nous en sommes pas dépressés. Nous avons pensé à nous seulement. Le Seigneur nous avertit. À partir de ce moment, nous devrions crucifier ces actes sur la croix. Que notre manière de vivre ne soit plus ainsi dans le nouvel an. Si tu vois que les apôtres ont eu beaucoup de succès le jour de Pentecôte, ils avaient la même pensée, le même cœur. C'est pas que tu fais plus loin que l'autre. Amen, enfin, mon Dieu, c'est pas des trucs que je me suis connu, que dans la vie, que la poudre. Non. Le Seigneur nous avertit, le Seigneur avertit l'Église. Ce que nous allons voir, c'est pas mes calculs, c'est pas que je me suis assis et j'ai pensé, réfléchi, mais le Seigneur est en train d'avertir son Église. Ce soir, si tu te sens concerné, et tu sais en toi-même, même si tu ne te souviens pas, et tu devrais être la solution, l'aide, le soutien de quelqu'un. Si tu te sens concerné, lève-toi. Mais si tu ne te sens pas concerné, dis les autres avant de venir te dire. Miyad. Afle. Voici. Et dans cette année, il y a beaucoup qui ont demandé de l'aide au Seigneur. Ça a été vraiment là à venir parce qu'ils ont vu leur projet dans des difficultés et l'ont abandonné. Je n'ai pas dit que tu n'as jamais aidé personne. Pour qu'elle est venue, c'est très bien. Aider une seule personne est une bonne chose. Mais combien de personnes souffrent? Dans les églises. Si nous nous occupions ainsi. Amen. Et comment tu sais pourquoi cela arrive? Dans notre amour se refroidit les uns envers les autres. Quand ton amour est refroidi envers les autres, tu considères ton problème. Et Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas considéré les problèmes de mon prochain cette année. Aide-moi à crucifier ces que je ne les reprends pas. Mais que je marche dans le nom de Jésus. Prions. Thank you.
qui se couvrait avec un homme avec un bon jour, mais là, quand tu allais trop, étant toujours debout, avec la télé, nous allons prier. La canine consacrée au surof, la verset moulon, surof, la verset tac, pardon, je vais les lire. Il me sait pas, c'est pas drôle. Et 2 Rois 7:19. Pour moi, ça fait que je vais tuer à la carte de Jabibo. Hadli Allah est sans moulon d'ailleurs, mais c'est la kéwa, au tumala, Élisée, tu n'y as pas. Et les étudiants font il n'a pas eu de l'argent. Nous allons prendre la dédicace de Chouina. Quand le Seigneur regarde l'Église, combien de personnes il verra qu'ils ont vraiment la foi. Combien de personnes ne disent pas les mêmes choses comme ce homme-là dans son cœur? Oh, est-ce que c'est possible? Oh, est-ce que cela peut quand on fait des déclarations, ils doutent, est-ce que cela peut arriver? Et cette forme d'incrédulité est venue se sentir béni dans la vie des gens. Il pense que rien ne va arriver, il ne prie plus. Je ne peux rien faire quand tu as l'incrédulité à toi. Mais moi, si l'année va changer, si tu n'as pas l'incrédulité, il y a une incrédulité en toi, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et l'incrédulité aussi, c'est un péché. À cause de ton commentaire. Seigneur. Incrédulité forment pour y amener la vie, mais il y a la vie pour poisson. Allez, il faut faire un bec à guérir la parole la vie. Matigui, n'est pas donné sa vraie volonté d'aller à s'éveiller. Que j'aime dans ma vie soit crucifié sur la croix et que je puisse rentrer dans le nouvel rang avec une foi sincère. Une foi ferme, une foi sincère, une foi ferme, une foi inébranlable. Est-ce que tu comprends? Prie maintenant. Prie. Que toute force de l'incrédulité dans ta vie, mère maintenant, soit trouvée sur la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.
Amen. 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 Nous allons voir trois cas. Ils sont différents, mais ils se rapprochent. Et à cause du temps, nous allons prier pour ces trois choses ensemble. Je ne voudrais pas prier pour ces choses-là après Zéroël, mais avant, ils doivent rester dans le scénario. Voici les disputes. Et quel est le Seigneur? En anglais, ce sont les 18. 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 Ce sont les Et quelques heures, il faut discuter. Dans les lieux de répétition, on doit discuter. Dans les lieux, on doit chanter pour discuter. Même moi, dans l'église, on discute. Après le culte aussi, des disputes. Jésus est venu nous montrer, il est venu trouver des disciples en train de disputer. Voulez-vous qu'il revienne vous trouver en train de se disputer? Si nous avons le temps de nous disputer, quand est-ce que nous aurons le temps de nous comprendre? Quand est-ce que nous allons nous comprendre? Après les disputes. Quand tu lis Marc 9:14, tu vois trouver que Jésus est descendu de la montagne, il est venu trouver les disciples en train de se disputer. Il faut qu'on se comprenne. Et tes pensées sont différentes des pensées de l'autre. Au lieu de disputer, priez l'un pour l'autre. C'est lui qui n'est pas sur le monde. Si le Saint-Esprit est en lui, il va le redresser rapidement. Cela vaut mieux que les gens vous voient en train de disputer et Dieu lui-même va. Est-ce que tu as eu des disputes cette année, oui ou non? Les critiques. Et il y a quoi vous faites? De tes frères chrétiens dans l'église même, tu as critiqué dans cette année. Nous sabotons les prières, les chants, les autres. On sabote, on critique. Laissons ça dans l'année 2022. Alors, on fait le bêto au sang 2022. Laissons-les. Dis à la personne à côté de toi, laissons-les. Arrêtons les critiques. Et nous ne devrions pas rentrer avec. Après les critiques. Et après les disputes, arrêtons les critiques. Prions les uns pour les autres. Si quelqu'un prie d'une mauvaise manière, prie pour lui. Et Seigneur, montre-lui comment bien prier. Si quelqu'un est en train de chanter, qui n'est pas bon, tu peux le conseiller. Cela vaut mieux que tu ailles t'asseoir avec un autre frère en train de le critiquer, de saboter son ministère. Quand Dieu regarde ça, ça ne lui plaît pas. Peut-être que tu as entendu des critiques de te concernant, toi aussi tu as critiqué d'autres. Ensuite, les murmures. Les corrompements. Ce que je vous dis pour cette année 2023,
Si tu veux que dans ta famille il y ait la paix, que ça passe sur le chez toi, tu penses que tu ne fais pas partie parce que les choses se passent chez toi, tu vas prendre part que tu le veux ou non. Jamais le temps à personne d'amener des murmures contre d'autres personnes. Je n'ai même pas commencé, il dit qu'il est 23h53. Ok, les techniciens, rappelez-moi. Dans 5 minutes, rappelez-moi. Quand est-ce qu'il est tombé dans quel lit? Et étant assis, nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Les disputes, les critiques et les murmures, qu'il soit tué et crucifié. Prions une minute. Il y a pas qu'une partie qui fait mal à la tâche, on est des états du corps pour moi. Je te dis, allez, qui nous pas de la flore.
Voilà. Si tu n'as pas la place pour venir, et tu ne peux pas t'entendre avec d'autres personnes. On n'est pas arrivé là. C'est mieux que tu t'éloignes. L'esprit de division. Manque de consécration. Combien de personnes sont consacrées aux choses de ce monde plus qu'aux choses de Dieu dans l'église? Ils ont l'air d'amener. Quand on parle des choses de dehors du monde, et ils ont tout le temps. Mais quand on parle des choses de Dieu, non, j'ai pas le temps. Oui. Rien de tout. Mm-hmm. Ils n'ont pas de tout le temps. Le temps qu'ils ont pour aller ailleurs. Le temps qu'ils ont pour aller ailleurs, ils n'ont pas ce temps pour venir à l'église. Dis à la personne consacrons-nous à Dieu. Soyons consacrés. Qu'est-ce que nous allons ajouter à cela? Les sourires. Et à partir de maintenant, enlevons toutes sortes de souillures au milieu de nous. On peut commencer à les avoir à travers les réseaux sociaux. Combien de relations tu as entretenues à travers les réseaux sociaux qui t'a souillé? Ça c'est quoi ça? Et il y aura différentes formes, phases de culte que nous allons voir vivre dans le nouvel an. Nous allons prier. La technique. Faralini.
Tu vas entendre le jugement du Seigneur qui est tombé sur beaucoup de personnes.
Pardon, je lis, les apôtres viennent à l'habitude de dire que nous et le Saint-Esprit nous étions d'accord. Et cette année aussi, le Seigneur a fait des changements de programme. Dans l'acte des apôtres, les églises se prospéraient, grandissaient, se multipliaient par les conseils de cet esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Et que nous restons sous la conduite du Saint-Esprit, ce qu'il faut obligatoirement, l'église va se multiplier et prospérer. Amen.